Salut à tous, c'est Chad et bienvenue sur Bugland. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play sur la construction de la brique 81. Alors, j'ai pris connaissance de pas mal de petites choses entre-temps, notamment aussi grâce à l'aide de tous vos commentaires. Hein, et j'ai pu voir qu'on pouvait utiliser... Alors, je vais foutre ça ici. Le réservoir d'eau qui est juste derrière, là. Et qu'on pouvait le raccorder à l'énergie pour... Alors, on va tester ça. Ouais, je me suis mis dans la galère, en fait, dans cette affaire. On va pas faire ça. Sortons d'ici, vite! Ouais, du coup, j'avais construit ça comme ça. Alors, j'ai vu pas mal de petits moyens sympathiques pour pouvoir réussir à améliorer tout ça au niveau de l'abri. J'ai vu qu'il y avait quelques petites techniques. Et puis, en cherchant un petit peu, j'ai aussi trouvé pas mal de petites choses. Je vais essayer de vous montrer tout ça. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai! Mon Dieu. Ok, alors, donc on va essayer de raccorder hein, ce petit... je sais pas ce que c'est une pompe à eau, un délire dans le genre. Hop, voilà. On va faire gaffe ce coup-ci. Voilà, ok, on peut la choper depuis la fenêtre, nickel. Alors là, je vais avoir un petit souci, ça c'était sûr. De toute façon, je veux le faire rentrer par la fenêtre. Alors, le mieux, c'est de passer par ici. Pousse-toi. Voilà. Et du coup, on va se mettre un petit connecteur. Alors, est-ce qu'on peut utiliser directement les nouveaux connecteurs qu'ils ont mis dans le DLC? Je pense que oui, hein, il ne devrait pas y avoir de soucis là-dessus. On va y aller ici, et c'est tout au bout. Voilà, c'est cela. Ok, bah alors on va partir sur cela. Un petit sur le côté, ici. Quoique non, je pense qu'on peut y aller en direct depuis l'intérieur. Hop, avec le bon. Comme ça. Et donc, ça produit 40 d'eau. Alors, 40 d'eau, normalement, c'est suffisant. Non? Ah, mais il y en a plusieurs. Non, mais je suis con, ça, c'est mon générateur pourri. Ça produit 100 d'eau. Donc, les deux autres, je vais pouvoir les enlever. Ouais, c'est large, hein, c'est large. Donc, ok, il est relié là. L'autre, là-bas, je vais le virer aussi. Parfait. Hop, nous y voilà. Alors, on se referme ça là. Et celui-ci, ouais, on peut le refermer tout de suite. Et donc, le générateur ici, on fait péter aussi. Voilà, donc là, on a notre petit connecteur qui rentre à l'intérieur. Ah, il faut se relier directement à ça, d'accord. Je vois. Donc, on va commencer par faire le toit. Alors, pour faire le toit... Donc, de ce que j'ai pu voir, c'est assez compliqué. Hein. De toute façon, il n'y a pas de système, on va dire, bien pratique. Mais vous allez voir que si on utilise... alors, que je m'y repère un peu, parce que j'avais cherché pendant un petit moment. Non, c'est pas celui-ci. Non, c'est pas là, en fait. C'est dans ces structures-là. Voilà, si je fous ça là, hop, je vais pouvoir utiliser directement les sols de l'atrium. Et peut-être même les toits, je sais plus exactement. Ça, c'est un plafond. Voilà, je peux les mettre. Vous voyez? Ça rentre. Et après, du coup, je peux construire directement bah, tous mes toits comme ça. Donc, en fait, il faut se servir de celui-ci qu'on trouve là, dans l'abri des structures, comme pilier de base pour pouvoir bah, construire tout simplement le toit. Hein. Donc là, ça va pas être bon parce que, bah, le truc, il est vachement grand. Mais on va fermer du mieux possible la zone. Alors... On retourne ici, on va mettre notre petite structure là. Hop, c'est parti. Alors ouais, ça fait sombre hein, quand même au niveau de l'éclairage. Ça, je pense qu'il va falloir qu'on mette des lampes un petit peu partout dans l'abri. Histoire qu'on soit pas trop emmerdé et que ça fasse assez jour à l'intérieur. Donc vous voyez, c'est sympa, hein, ça permet vraiment de bien fermer ce truc, parce que normalement, bah, ça se raccorde pas, hein, tout simplement. Ça se raccorde pas ou très mal. En tout cas, moi, j'ai vraiment galéré. Et au moins, là, je sais que je suis tranquille avec cette petite technique. Je peux tout mettre. Là, j'avais fait quoi? Donc c'est un sol et un mur standard. Je les avais complètement virés, je crois. Alors, donc sol... Qui est? Il est tout au début, non? Ouais, c'est ça, sol et mur... Est-ce que c'est un sol avec un mur? Non, c'est des murs que j'avais rajoutés après. Ici. Voilà, ok. Allez, on retourne
dans les toits. Si ça veut bien s'y remettre. Vous voyez, ça veut plus s'accrocher déjà. Ça veut plus, ben on va refaire l'astuce, hein. Hop. Hop. Et voilà. Et là, normalement, je devrais pouvoir le mettre. Si ça veut bien. Ok, donc là, non. On va se mettre là, ma foi. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Pourtant, c'est bien ça que j'avais utilisé. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est celui-là. C'est celui-là. Plafond et sol, plafond. Ok, c'est plafond qui marche pas bien et c'est plafond et sol qui fonctionnent. Ok. On y va, on termine de fermer tout ça. Hop. Donc vous m'avez demandé de mettre plus de fenêtres dans le couloir. Hein. Oui, effectivement, c'est vrai que j'ai fait juste un petit couloir. Je sais pas si c'est vraiment nécessaire. Hein. Bon, on va aller voir ça. On va voir ce que ça donne sur le chemin du retour. De toute façon, là, on va avoir l'électricité et tout ce qu'il nous faut pour amener dans le point central, qui sera bah, l'endroit de base. Hein. Vous savez, le premier endroit où on arrive dans la zone. Hop, voilà. Là, on laisse ouvert. Comme ceci. Ça fait quoi ça du coup? Est-ce que ça se raccorde bien? Oui, ça passe, hein, ça passe, ça passe. Je pourrais mettre les sols hein, directement hein, pour faire plus petit. D'ailleurs, je pense que par la suite, je vais faire ça parce que là, c'est vrai que c'est assez épais. Mais je pourrais y mettre les sols, hein, comme ça, vous voyez, ça fait gagner un petit peu de hauteur de plafond, on va dire. Voilà, donc je pense que je vais partir sur ça sur les prochains. Là, on va terminer ici avec ça, histoire de rester dans la même gamme. Hop. Voilà, ok, donc là on a l'abri terminé au niveau des générateurs électriques. Et donc on aura, bon on a assez d'énergie, ça c'est sûr et certain, et on aura aussi assez d'eau. Donc on relie l'eau. Alors c'est parti, on va faire, de toute façon on va faire la liaison là en direct. On va partir sur l'électricité et les petits connecteurs en plafond. Alors... déjà, je vais le foutre ici. On va connecter celui-ci là. Et je vais voir jusqu'à où je peux aller à peu près. Je pense qu'on va partir sur ça. Et si j'en cale un autre ici, est-ce que ça le fait? Hop. Voilà, là, normalement, ça devrait être bon niveau distance, je pense. Ouais! On est bien. Et celui-ci, du coup, je vais le relier directement à l'électricité. À ce connecteur, ce serait mieux. Du coup, je vais pas le mettre là, lui. On va le décaler un petit peu. On va se le foutre là. Voilà, j'aurais pu le mettre au plafond. Ouais, bah on va faire ça, vous savez quoi? Hop, on va partir sur un au plafond direct. Alors, faut que je le mette sur une poutre, hein, parce que sinon, après, il risque d'être gêné par les trucs. Alors ici à là, donc on m'a dit qu'on pouvait relier les deux. Moi bon, j'ai pas bien compris comment, pourquoi. Bon c'est pas grave. Hein. C'est dans les commentaires de l'ancienne vidéo si vous voulez chercher à comprendre. Ok et du coup on se relie là. Voilà. Et là donc j'ai ma base. Elle est axée en énergie et en eau. On est parfait. Allez c'est parti. Donc on va partir sur un autre petit connecteur ici histoire d'entrer à l'intérieur bah, du délire là. Alors, là, ça devrait être bon. Ok. Alors, je pourrais faire passer mes câbles en extérieur. Hein. Ça, ce serait pas un problème, c'est sûr. Mais, pour le moment, je pense que je vais le laisser en intérieur. Parce que, de toute façon, l'électricité, ça va être bien plus simple si on s'y prend à l'intérieur. Sinon, il faut faire des doubles sols et tout. Ça devient très, très vite la galère. Donc, on va partir sur une électricité intérieure. On y verra les fils, hein, tant pis. Hein. Comme d'habitude, quoi, finalement. Hop. Le plus loin possible, ici. Et c'est parti, on y va. Hop. Donc on va y aller un par un, tranquillement. Ah. Petit souci ici. Alors je sais pas pourquoi, hein, j'ai pas vu pourquoi ça bloquait. On va se rapprocher, c'est pas grave.
que c'est à cause des poutres. Pourquoi là il veut pas se mettre? Oui, c'est quand même phénoménal ça. Bon, on va partir sur là, c'est pas grave. Hein. C'est pas bien grave. Ici, hop. Je sais pas si on va pouvoir faire l'angle en direct. On va essayer. Non, on pourra pas. Du coup, on va faire l'angle en deux fois. Un là, s'il veut bien s'y mettre. Ouais. Et un là. Ok. Alors, tout ça, tout simplement. Donc là, je peux pas. Il faut que je le fasse en trois fois carrément. C'est génial. Tout ça pour faire finalement de l'esthétique. Hein, on est d'accord. Hein, voilà, c'est histoire de tout mettre les générateurs loin. Alors, on essaie vraiment de partir sur une construction crédible. Hein, c'est-à-dire, on imagine vraiment que l'abri... pourrait exister de cette façon-là, quoi. Hop. Et là, ça refonctionne très bien au niveau du mur. Pas de problème. On va le plus loin possible. Ici, donc. Hop. Un deuxième. Et du coup, après, on va se faire directement... alors, les lits, j'en avais mis assez. Là, je pense que je suis bien. Le bonheur commence à augmenter. Ça va commencer à ramener des gens, hein, tout ça. Et c'était l'idée de base, hein, justement, de pouvoir commencer à ramener du monde un petit peu dans, bah, dans l'abri, hein, petit à petit. Le temps de construire, c'est bien que l'abri se remplisse en même temps. Comme ça, ça nous évite de perdre du temps. Et si on a besoin de personnel, hein, on pourra les avoir directement. Alors, on y va, on continue... On va se mettre sur les petits trucs gris. Je sais pas combien de mètres je dois faire là, mais je crois que c'est assez loin en plus. Hein. Ça va être un peu long cette affaire. Allez, viens petit, viens. Voilà. Ici, je peux aller jusqu'où? Oh, je peux aller jusque là, tranquille. Ok. Ouais, quoique ça... Peut-être pas être si long que ça, hein. On arrive déjà à mi-chemin là. Oh. C'est par 3, hein. Ouais, par 3 ça passe. Hop. Vous voyez, ça nécessite pas trop de fenêtres en fait, parce que de toute façon, le côté, ce côté-là, là, ici, je vais pas du tout le montrer, je pense que je vais pas du tout y aller en fait. Donc c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas de fenêtre, au moins ça donne la sensation qu'il n'y a pas de... qu'il n'y a pas d'ailleurs. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Au moins ça donne sur rien, on a l'impression d'être enfermé et ça renforce un petit peu le côté labyrinthe aussi, vous voyez. C'est un peu ça aussi les abris, c'est que le contour, on sait pas comment c'est fait, on sait pas la hauteur, on sait pas comment c'est creusé, mais il y a un petit chemin à l'intérieur qui fait que on suit le parcours défini par l'abri, hein, tout simplement. Donc c'est un peu l'idée aussi d'essayer de faire ça. Donc on va partir sur quelque chose d'assez aéré, je pense. Et on va essayer d'utiliser au maximum toutes les structures qui sont mises à notre disposition pour faire quelque chose de stylé. Hein. Bon, on va essayer, hein, c'est vraiment... Enfin, je sais pas, si vous avez commencé un petit peu à le faire vous avez vu, hein, franchement, c'est quand même assez mal fait, leur histoire. Hein. Comparé à tout ce qu'on a eu jusqu'à présent, c'est assez difficile de créer son abri facilement, quoi. C'est pas intuitif, faut prendre du temps, voilà, c'est assez compliqué. Ok, voilà, donc on est arrivé. Donc l'électricité va venir par ici. Et là, donc, on va commencer à construire, hein, tout simplement. Donc là, on aura un chemin qui va venir par là. Je sais pas comment je vais... je sais pas, en fonction des pièces, je sais pas si je vais faire une usine aussi dedans. Franchement, je sais pas trop. Ce que je sais, c'est que je vais me servir de l'ascenseur. Alors, j'avais fait un test de toit, là. Ici... Pour voir un petit peu la hauteur, jusqu'où je pouvais aller, comment je pouvais y aller. C'est assez la merde, mais je pense qu'on va partir sur ça. Parce que je vois pas trop comment le faire autrement, en fait. Hein. Alors, si j'utilise... alors, c'est là. Ouais. Et voilà, les structures comme ça, là. Non, c'est pas celle-ci que je veux... Elles sont où? Elles sont là. Voilà, donc j'ai bien envie d'utiliser ça, mais c'est le bordel. Alors, c'est que c'est placé sur 3 étages. Alors, on peut calculer, ouais. 1, 2, 3. Est-ce que ça compterait une quatrième? Ouais, 4, on dirait. Hein. Donc, en hauteur, ça partirait sur 4 plaques.
Donc ce serait ça la bonne hauteur. Alors peut-être le mieux c'est de placer à côté directement pour comparer. Mais je crois que si je me place ici, je vais être bon niveau hauteur à la place des sols. Hop. Ouais, ça a l'air de coïncider pas mal. Donc la logique veut que si je fais ça en entrée et en sortie, ça peut fonctionner. Mais du coup, je vais réduire mon niveau. Alors je vais peut-être pas le faire tout de suite. Parce que je pense que je peux utiliser ça. Et après mettre une sorte de... peut-être ça. Non, pas ça, ça passera pas. Ouais, ça peut-être. Non, 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 non. Parce que là, du coup, je ferme. Est-ce que si je le mets comme ça, je réouvre? Peut-être. Ça marche pas, hein. Ça marche pas cette connerie encore. Ça marche pas. Dommage, parce que là, du coup, ça me permet de faire une réouverture et du coup, on peut faire une structure assez sympa. Ça colle, j'ai vu. Alors, comment ça colle ce truc? Ok, bon, c'est n'importe quoi. Mais là, du coup, je peux y poser ce délire là, non? Non, je peux pas. Pourtant, il me semblait que c'était fait pour ça, ce truc. C'est bizarre, hein, comment c'est fait vraiment, hein, franchement. Non, ça va se mettre là, là. Vous avez vu? Il se met ici. Ah, mais c'est parce qu'il est à l'envers, ce truc. Eh oui, évidemment. Évidemment, donc voyons, si je le mets comme ça, du coup, c'est pas le bon. Voilà. Du coup, ce serait le deuxième en petite taille. Ah, ça, c'est les petites tailles. Donc, il me faudrait celui-ci qui s'accole à ce niveau-là. Je reprends pas la hauteur. Est-ce que je peux le remettre directement sur cette partie? Ouais, je peux. Là, du coup, je récupère la hauteur. Mais à quoi bon récupérer la hauteur aussi? Parce que du coup, on peut pas y recréer des sols comme il faut, vu que cette plaque, elle est faite totalement bizarrement. Franchement, c'est compliqué. C'est compliqué. Bon, alors, on va partir sur ça. Sur construction basique, hein, comme je voulais faire à la base. Donc là, on a les pieds. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà faire tout le contour. Alors, ouais, on a encore un peu de temps, on est tranquille. Alors, on va faire ça. Donc ici, je peux rentrer une autre ou pas ici, là. Non. Alors, est-ce que c'est assez grand? Ouais, c'est assez grand là. Allez, on va partir comme ça. C'est parti, on y va. Donc là, je vais faire tout mon contour qui sera ben, mon abri, hein, réellement la taille maximum de l'abri. Ça, je comptais le garder, mais ça va me foutre le bordel. Tant pis, ça dégage. Ok, et là, en maximum de longueur, c'est ici. Voilà, donc si on fait une extension, on ira la foutre là-bas. Je pense qu'on partira sur ce petit chemin là-bas. Ou peut-être dans le côté là-bas qu'on a construit aussi. Bon, il y a tellement de possibilités en fait. Bon, on va pas trop y réfléchir maintenant. C'est pas le propos. On va s'occuper de la pièce principale. Donc ici, là c'est pareil. J'arrive au bout là. J'arrive au bout et j'arrive pas au bout que je voulais. Donc finalement, le bout sera pas le bout que je pensais. Ah si, je peux y entrer finalement, la truc. Mais non. Je simplifie, hein, je me simplifie la vie, donc on va en faire péter une ligne. J'ai pas envie de commencer à faire des structures qui sont pas carrées et tout, parce que ça va compliquer les choses. Je ferai les agencements sympathiques s'il y a lieu d'être fait. Je les ferai plus tard. Donc là, on part vraiment sur du basique. Allez, c'est parti, on remplit notre intérieur. Hop. Alors, je sais pas, au niveau de la taille, j'ai l'impression que ça bouge pas trop. On a plus d'espace que sur les autres territoires extérieurs pour construire. Donc tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Hop. Alors là j'avais eu un problème, je pouvais pas rentrer ma case, hein, c'est ça, ouais. Donc là ce sera pas ma fin non plus. Non. On va redécaler. Ça se passera comme ça. Voilà, pour simplifier encore et toujours. Hop.
Les briques qui sont là, je vais les stocker vite fait. Parce qu'on va pas s'en servir pour le moment. Là, on pourra faire une petite extension. On verra plus tard tout ça. Alors, hop, c'est parti. Alors, j'ai mis un générateur ici. C'est tout simplement pour faire fonctionner l'ascenseur. Ah, je peux mettre un truc en dessous, vous avez vu? Pour faire fonctionner l'ascenseur, histoire de voir un petit peu au niveau de la hauteur. Parce qu'on va s'en servir pour créer les niveaux. En fait, je vais vous montrer, ce sera plus clair. Parce que déjà, vous voyez, ça raccorde hein, tout de suite hein, au niveau de l'ascenseur. J'ai pas besoin de me prendre la tête et tout, ça se raccorde tout seul. Et je vais besoin, pour faire mon contour de mur surtout, de créer des niveaux à chaque fois pour, vous savez, me faire un chemin en fait, tout simplement, comme un échafaudage, pour pouvoir traverser et créer tout simplement ce qu'on veut créer. Donc en fait, il nous faudrait sur PC, ils ont un mode pour ça qui est génial. Ça vous permet de l'éviter, la gravité, elle influe plus sur vous. Et vous pouvez vous déplacer dans l'espace comme ça pour aller faire vos créations. C'est vraiment super pratique. Vous pouvez aller tout en haut, tout à droite, tout en bas. En fait, vous êtes plus gêné par la gravité et du coup, vous vous baladez dans les airs. Et c'est vraiment pratique. Pour ça, les mods sur PC, franchement, c'est le top quand même. Hein. Dommage qu'on les ait pas. Et d'ailleurs, en parlant de ça, hein, c'est vrai que j'en parle plus sur la chaîne, mais c'est tellement abandonné cette affaire. Donc les mods, ils sont sortis sur Xbox, donc tant mieux pour eux, hein, c'est en version bêta. La version bêta, elle est en train de galérer, et sur PlayStation 4, ils n'arrivent pas du tout à nous les caler, les mods. Donc à mon avis, franchement, on les verra jamais arriver. Hein. À mon avis, c'est foutu. Voilà, parce qu'en fait, Sony, ils ont... Et ça a toujours été un petit peu le problème. Sony, ils font les choses un petit peu différemment. Voilà, Microsoft, c'est plus simple pour les créateurs de jeux vidéo de créer les logiciels, etc. C'est plus simple pour eux et du coup Sony ça galère toujours un petit peu et du coup ça s'est ressenti aussi sur le développement des mods. Et ça nous a baisé comme on dit. Hop, allez, c'est parti, on y va sur le mur. Donc on part sur 4 étages hein, comme on a dit. On va faire notre contour. Hop. Voilà, c'est là que ça commence à être chiant. Donc on va faire les 2 étages et après on va se construire une sorte de petit échafaudage. Ah ouais, alors ça aussi ça va me casser les couilles. C'est vrai qu'on peut pas faire ça. Ça se relie pas. Comment je peux faire mes contours? Ça va être la bonne question. Alors, est-ce que j'ai quelque chose qui va le permettre? Genre ça, on dirait. Voyons. Oui, voilà. Du coup, faut le faire sur tous, hein, on est d'accord. Hop. Ça, alors les murs fenêtres et tout, et je sais ça va faire un petit peu environnement clos là, mais tout ce qui est fenêtres et tout ça, on verra plus tard, on modifiera les murs en fonction. On va pas se faire chier tout de suite. À moins que ça devienne un problème. Attendez, je vais essayer de voir si ça devient un problème ou pas. On va s'y prendre là que j'ai 3 murs. Par exemple, mettons, je veux mettre une fenêtre ici. Je fais mon trou. Et ça se place. Non, c'est bon, ça posera pas de problème. On pourra le faire tranquillement. Hop. Alors c'est ça qui est toujours un petit peu long au début, hein, de construire la base, hein, forcément, ça prend un petit peu de temps. Après, on s'attarde plutôt sur la déco, les machins, les trucs, c'est le côté un petit peu plus sympathique, là. On fait vraiment les fondations, c'est toujours un petit peu... On me dit pas qu'il y va pas, là, lui. Alors, est-ce que c'est parce qu'il me demande de mettre ça avant? Eh ben, faisons-le. Ok, ça déconne. Pourquoi ça déconne? Est-ce que c'est parce que le plan est trop incliné ou pas? Qu'est-ce que c'est? Ça ne veut pas rentrer, c'est la petite bordure là, le petit tas qui doit créer problème. Est-ce que je raccourcis encore? Putain, mais à force de raccourcir, je vais me retrouver avec pas beaucoup d'espace, hein. Du coup, peut-être si je le mets en sens inverse là, genre comme ça. Évidemment non. Évidemment non. Il y en a un autre? Ça fait quoi ça? Ah. Est-ce qu'il va me faire chier ce truc-là là? Non, je pense pas quand même. Voilà, on y arrive, hein, finalement, on y arrive. Allez, c'est parti, on continue notre mur.
C'est celui-ci. Alors, et là, du coup, on va faire le délire. Alors, on va compter. On est à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On est à 11 plaques. Excellent, c'était justement un nombre impair qu'il ne fallait pas avoir. Donc, on va partir sur du 5-5, tant pis. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, le milieu est ici. Et on va foutre le délire là. On va essayer, hein, ma foi, on va voir ce que ça donne. Je trouve ça quand même assez joli, c'est con. Le bon, c'est celui-ci. Et donc, il faut faire péter ces deux plaques. Ok, voilà. Et donc, on a la version de l'autre sens. Vous voyez, ça se raccorde en fait. Donc, je fais péter pareil ces deux plaques. Ah, non, j'aurais peut-être même préféré. Ouais, ça sera peut-être plus sympa. On va faire différemment. Là qu'on a un petit peu le temps. Allez, nos sols, on se les refoue. Au moins comme ça, je serai pas emmerdé par la hauteur, hein, vu que je le divise. Alors par contre, comment je vais fermer cette histoire après? Alors on va tester. On l'éloigne un peu parce qu'on voit plus rien. On le fout là. Est-ce que je peux fermer là? À votre avis? Voilà, évidemment non. Putain. Fais voir si je mets un truc qui tourne. Il est où? Il est pas là, hein? Non, il est pas là, il est pas là du tout. Il est là. Ça marche à peu près. Oh, c'est pas dégueu, hein. Ouais, ça fait un petit creux comme ça, mais non, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Allez, on part sur ça, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ici, on raccorde les deux. Ah oui, mais ça se raccorde comme ça. Ça se raccorde comme ça, et je crois qu'on peut quand même y mettre des murs. Si je me trompe pas. Ouais, on peut quand même. Donc on verra ce qu'on fait d'ailleurs. On va peut-être y foutre l'ascenseur ici finalement. Fais voir. Hop, barre-toi. Merci. On va là-bas. Et oui, c'est trop beau pour être vrai. Bah ouais, forcément. Du coup, il me faudrait un ascenseur 3 étages. Attends, mais c'est quoi le problème là? Voyons voir. Alors, la hauteur. Ouais, c'est que j'ai un étage en trop. Ouais, mais je voulais partir sur 4 étages, moi. Je voulais carrément partir sur 4 étages. Ça, si je fais pas l'autre côté pareil, ça va être la merde. Hein. Je peux pas le relever. Est-ce que je peux le relever? Genre mettre. Genre pas le mettre comme ça. Genre si je fais ça. Bon alors, juste pour le test, il me faut une plaque. Ouais, je suis en train de m'embrouiller là. Alors, toi tu vas là. Toi tu vas là. Toi ici. Voilà. Et du coup, est-ce que ça marche si je fais ça? On l'éloigne. Et non. Et non, ça touche pas le plafond, non, ça touche. Si. On voit que dalle, c'est lourd. On va s'éloigner un peu. Ah ouais, c'est peut-être parce qu'on touche le plafond. Quoique, j'ai pas l'impression. Si j'utilise la petite astuce du bordel là. Hop. Est-ce qu'il s'accroche ou pas? Ouais.
Là, il s'y met. Alors, il se met par-dessus, hein, on est d'accord. Alors, je vais le foutre là. Non, pas là. Là, ça, tu dégages. Hop. Voilà, et là, normalement, il se pose par-dessus. Bah, je l'ai stocké? Ah non, il est là. Oh, comment il m'a fait peur, lui. Et il va pas vouloir se mettre parce que ça touche le plafond, c'est sûrement ça. Voyons voir si je fais. Ça va servir à rien de faire pivoter la structure, je pense, mais on va voir. Ah là, il se met de devant là. Ah bah c'est bon. Ouais, nickel. Nickel, nickel. Du coup, on va pas partir sur ça. Ah, est-ce que lui, ça colle tout de suite ou est-ce qu'il va me faire chier pareil? Un truc qui me gêne. Ah, c'est l'ascenseur. Là, ça rentre dans le plafond. Hein. Là, on est d'accord, ça passera jamais. Ça ne passera jamais. On va tester quand même. Je vais mettre l'échafaudage. Mais du coup, je pense pas que ça va le faire. Hein. Tout ça pour des constructions à la con, là, sans déconner. Ils auraient pas pu faire les choses un peu plus simplement. Ça touche là-bas. Ça touchera partout, de toute façon. Alors. Si là il me le place comme ça et que je le tourne de deux comme j'ai fait pour l'autre, pensez pas que ça a marché? 1, 2. Hop. Mon Dieu, on a réussi. On a réussi. Et là, est-ce que je peux caler l'ascenseur maintenant? Suspense. Voilà, ça marche pas. Mais ici, il rentre. Pourtant, il devrait rentrer là. Ah, c'est ça qui gêne? Non, ça devrait pas gêner. Pourquoi? Franchement, je vois pas ce qui pose problème. Je vais juste reposer ça là. On va voir si ça se met. Si ça se colle en automatique derrière. De la distance. Et non, c'est dommage, ça aurait été stylé quand même. Hein. Et on sait pas pourquoi, parce qu'on voit rien. Mais ça doit être ça, c'est peut-être que là-haut ça bloque. Du coup, je vais peut-être partir sur trois étages, un ascenseur trois étages, et mettre. Mettre un truc qui monte, enfin, tu sais, un escalier, un truc comme ça, quoi. Ouais, bah, je pense qu'on va faire ça. Alors, les ascenseurs, c'est dans quoi déjà? Il me semble que c'est dans structure. Échafaudage, wagon, porte, clôture, ascenseur. Hop. 1 à 3. Fais voir si ça passe. Là, ça passe, là. Franchement, c'est sympa. Dommage qu'on puisse pas aller jusqu'en haut. Enfin, c'est vraiment dommage. Mais bon, moi on a quelque chose d'assez joli là. Hein. Franchement. Donc on mettra un mur derrière, on verra un petit peu plus tard ce qu'on met. Là je vais voir comment je clôture cette affaire du coup. Donc on va mettre des sols déjà pour commencer. Ici. En mettre en dessous, ouais, on est bon, et on est parti sur 4, hein, c'est ça, oui. Ensuite, du coup, il me faut le mur virage là, un truc bizarre. Non, c'est pas celui-là, si c'est celui-là, mais il y a une plaque déjà avec en fait.
Ah ouais, mais du coup elle est dehors. Ah, c'est pas grave, de toute façon on voit pas. Voilà. Comme ceci. Et là du coup on va y foutre les murs. Dans ce sens-là. Ah, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, ok. Du coup, est-ce que j'ai pas un truc en cube là? Ah, mais avec le sol, ça va être chiant. Non. Peut-être si je mets un truc comme ça là. Pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là. Ouais, celui-là. Non, pas celui-là. Celui-là. Non. Non, non. J'en ai pas des totalement fermés, sérieux? Et ouais, mais ça va jamais vouloir rentrer dans le sol, ce bordel. Oh là là, non, dommage. Dommage, dommage. Ah, oh! Si, il est rentré, il est rentré, il est rentré, il est rentré. Est-ce que du coup, là, ça m'a débloqué peut-être le fait de pouvoir faire mettre mes murs? On va voir. Hop. Vite, ils sont où? Alors, ouais, c'est les murs comme ça qu'il faut mettre. Comme ça. Comment il s'est mis là? Il s'est imbriqué dans le truc. Bah ouais. Bah alors. Moi, bon, c'est pas grave. Du moment qu'il me le refait de l'autre côté, c'est parfait. Ouais, bah c'est trop beau pour être vrai. C'était sûr ça. Non, comme ça, du coup, on le veut, hein. Faudrait. C'est chiant, c'est chiant, c'est chiant. Du coup, c'est peut-être pas celui-là que j'avais mis aussi de base. J'avais peut-être mis. C'était avec un sol, je crois. Oh là là. Ouais, celui-là, est-ce qu'il y rentre? Ah, je crois que j'ai un petit point d'ancrage quelque part. Ouais, alors là, c'est chaud, hein, mais c'est chaud, mais ça passe, hein. Just, just, just. Du coup, espérons qu'ici, ça me le fasse aussi. Ah, nickel. Nickel. Et là, normalement, je vais pouvoir faire donc mon fond. J'ai peur de le virer et d'être baisé après derrière. Fais voir. J'essaye, hein. Ben non, je suis con, faut un sol, au moins un sol, ça c'est sûr. Voilà, et voyons si le mur tient. Putain, ça passe. Voilà. Donc là, on a notre petit angle, il est parfait, hein. Les amis, regardez ça va être très sympa. On a notre petit ascenseur qui va monter jusque-là. Là, on va voir, on se mettra peut-être une échelle, hein, des deux côtés, je sais pas trop, pour monter jusqu'au dernier étage, tranquillement. Ça va être bien sympathique. Oula, on est quand même à 40 minutes là, hein, les amis. Bah écoutez, je pense que je vais arrêter la vidéo maintenant. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de lâcher un petit like pour la soutenir. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. A plus, ciao, ciao!